Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite réaction. Alors, je viens de rentrer de l'école et regardez comment il neige. Je sais pas si vous voyez. Il neige bien. Je viens de rentrer, ça fait du bien d'être dans le chaud. Et j'ai allumé ma Switch, j'avais regardé ce qu'il y avait sur YouTube et j'ai vu cette étrange illustration qui est très belle, hein, beaucoup trop belle. Hein. Et j'ai vu Mario 3D World. Alors du coup je me suis dit Bowser Fury. Alors et je suppose c'est que du gameplay de Mario 3D World qu'on a déjà vu. Je sortirai pas cette vidéo. Mais si ça montre ce que ça sera Bowser Fury, même ils ont intérêt puisque quand même ils montrent qu'il y a Bowser Junior dans Mario 3D World quand même. Et bah quand même voilà. Alors, j'avais fait la réaction directe en septembre de Mario sur les 35 ans de Mario, et j'avais beaucoup trop hâte de découvrir ce que ça allait être Bowser Fury, puisque je suis un énorme fan de Mario 3D World. C'est un des meilleurs Mario. C'est pas un Mario 3D, c'est pas un vrai Mario 3D. Ça, je me le suis toujours dit, c'est pas un vrai Mario 3D, c'est comme Mario 3D Land en fait. Mais voilà. Bref, attendez, je rêve juste la sonnerie et on va tout de suite réagir puisque j'ai beaucoup trop hâte. Et vous imaginez Bowser Junior en perso jouable, ça serait tellement bien. Et on va enfin connaître l'histoire. Est-ce que c'est une vraie nouvelle histoire ou ça va être un tout petit truc comme ils ont fait pour Pikmin avec l'épopée d'Olimar? À voir. J'espère au moins qu'ils vont montrer. Ouais, ils vont montrer. Ils vont montrer. Je baisse un petit peu aussi, excusez-moi. D'accord. Ok, une clochette. Ah, juste 3 secondes. Wow, c'est ouf, c'est stylé. Ok. Alors, déjà, c'est beaucoup trop beau. Et Bowser Junior, on dirait qu'il a son petit pinceau de Mario. De Mario, excusez-moi, de Mario Sunshine que je suis en train de me faire. C'est beaucoup trop beau. Mais attendez. Mais on dirait un vrai Mario 3D. Ah oui! Ouah, oh alors, c'est genre, on va tout droit. Ouah, là, on dirait un vrai Mario. Un vrai Mario 3D. Parce que dans Mario 3D World, ça allait de gauche à droite, même, j'ai envie de dire. Mais là, waouh! Waouh! Et on dirait que Bowser Junior nous suit, hein. Mais c'est trop beau. En fait, une suite en 3D World, hein. Ça mérite une suite. Oh, c'est trop beau. On dirait Hyrule. Mais c'est beaucoup trop beau. Pourquoi Bowser Junior nous suit? Oui? D'accord, il va nous aider. Alors j'espère déjà qu'il y a un mode à plusieurs joueurs. Je pense pas du coup ce qu'il. Ouais, il est pas jouable Bowser Junior. À moins que c'est lui le deuxième joueur. C'est trop beau. Ça c'est Bowser, il a putain un câble. Pourquoi il y a des déchets? J'espère vraiment qu'il y a un mode avec plusieurs joueurs. Il est trop beau. On dirait, vous savez, le truc, le monde des ténèbres là dans Mario Odyssey, qui était pas très exploité. Malheureusement, il avait un très bon potentiel. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a, Bowser? Là, on est d'accord, c'est Bowser, c'est pas un double de Bowser. Et ça ira où dans. Dans Mario. En fait, l'histoire. L'histoire, elle me stresse trop, en fait. Je me demande trop. What? C'est un Super Saiyan, là, Mario. Ouais, le 12 février. Je le prends pour mon anniversaire, ça c'est déjà prévu. Comme ça, je me le refais aussi. Par contre, il y a un truc online, hein. Il y a un truc online, on pourra jouer en ligne.
Et waouh! Wow. En fait, vraiment, ce que je me dis, c'est est-ce qu'il va avoir un mode multijoueur? Bah, j'aimerais vraiment beaucoup. Les amiibos sont disponibles. Je sais pas. Non, j'essaie de demander. Est-ce qu'il était dispo sur Wii U, les amiibos? Je sais plus. Je sais plus. En plus, j'en ai tout plein des amiibos. Faudrait que je vous les présente. Bah, tout plein, c'est rien en fait ce que j'ai. Mais je suis assez fier de mes amiibos. Mais oui, alors, les questions. C'est ultra beau. Même comparé au vrai jeu Mario 3D World, c'est vraiment très beau. C'est vraiment, vraiment très beau. C'est un level en plus, quoi. Et j'ai l'impression que Bowser's Fury, en fait, c'est un Mario 3D World 2. Hein. Tout le monde attend une suite à Mario 3D World. Hein. C'est vraiment un excellent jeu. Mais waouh! Waouh! Alors, déjà, Bowser Junior, à nouveau, son petit pinceau. Je trouve ça bien. Mais par contre. Voilà les questions que je me demande. C'est. Est-ce que Bowser Fury, bah c'est obligé que Bowser Fury a un lien avec le jeu, le vrai jeu Mario 3D World. Justement, je me pose la question, quel est le lien entre les deux jeux? Quel est le lien entre les deux jeux? Pourquoi Bowser Jr. aide Mario? Puisque c'est quand même inédit, ça. Et Bowser, pourquoi il est comme ça? Bah, je pense que Bowser Jr. aide Mario, et Mario aide sûrement Bowser Jr. à... Bowser, il a... théorie. Bowser a eu un souci. Il est devenu comme ça, je sais pas, un des mots l'a possédé. Et Mario doit défoncer sa race, et Bowser Junior l'aide pour aider son papa, quoi. Ah, c'est une théorie. Mais vraiment, la question que je me pose, parce que l'histoire, je m'en fous, ça m'intéresse quand même, c'est quel est le lien à Bowser Fury avec Mario 3D World? On va dire voilà. Mais beaucoup trop beau. Alors là. Vous avez bien géré Nintendo. Voilà, bon. Bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et très hâte de jouer à Mario 3D World que j'aurai le 24 février pour mon anniversaire. Bref, je vous fais des bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!